C'est vrai qu'il y a, là, il y a deux choses. Il y a eu la zone presse, effectivement. Il y a deux actions, on aurait pu s'opposer directement, mais on s'arrête de jouer, et du coup, on arrive à faire des tirs un peu casse-croûte. On perd deux, trois ballons, voilà, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Et en même temps, ils mettent des gros tirs à trois points d'affilée, quoi. Donc voilà, on les a perturbés, on a fait un petit passage en zone qui a un peu cassé juste sur une action qui leur a cassé le rythme, nous a permis de marquer derrière. Mais globalement, sinon, sur le match, au vu des circonstances, au vu de la qualité de l'adversaire, etc., c'était, pour moi, c'est une très très grosse performance. Hein. Honnêtement, c'est ce que je disais depuis 2 semaines, je trouve que notre niveau défensif devient vraiment intéressant. La semaine dernière, contre Nantes, pendant 25 minutes, on est bien. Après, c'est les ballons perdus qu'on a eu du jeu rapide, mais sur demi-terrain, on commence vraiment à faire des choses vraiment intéressantes. On s'est ajusté, on a changé 2-3 trucs. Et les gars se l'approprient vraiment bien. J'ai vraiment trouvé ça très 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 intéressant, quoi. Effectivement, il y a ces 5 minutes ce soir où ça marque beaucoup de points en très peu de temps, mais le reste du temps, on est vraiment très très cohérent, quoi. Effectivement, sur la première mi-temps, avec les blessures d'Antoine et de Ruffin, le rebond offensif, ils étaient à 9 prises à la mi-temps déjà. C'est plus 2-3 situations de jeu rapide avec Argote, voilà, qui court un peu. Mais sinon, c'était vraiment bien, quoi. Et puis encore une fois, on fait un match où on est à 50% ou très peu 50% à 3 points. Ça veut dire que la sélection entière est bonne. Ça, c'est important. Voilà, et puis. Non, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. On savait que pour gagner, il fallait faire un match parfait. Je pense qu'on l'a fait. Tu prends un risque sciemment, je suppose, quand tu relances Fabien avec 3 fautes dès le départ, qui te donne une super raison sur le coup, parce qu'il fait un très très bon début. En jouant beaucoup plus en rythme, parce qu'en fait, souvent, dès qu'il est dans le mouvement, dès qu'il est dans le timing, dans un pick and roll, c'est vachement efficace. Exactement, on a eu une bonne discussion cette semaine. Ouais, il savait, avec l'absence de Ruffin, ouais, il savait qu'il pouvait montrer des choses, quoi. Il a plutôt bien fait. Il a eu quand même un nombre de paniers très important, qui n'était pas si facile, comme le panier où il se retourne, etc. Donc, je suis très, très content pour lui. J'aurais aimé voir Flo plus longtemps sur le terrain, parce qu'il était d'une efficacité à sanctionner très rapidement. Paul fait du Paul. C'est ce que je dis. Je pense que j'ai souvenir que le dernier joueur qui a fait un triple double, c'est Gilles Da Silva sur un match qui comptait pour rien, je crois, d'ailleurs. Ça fait 10 ans. Ouais, ça, ouais, ouais, ça. Donc, ça fait super longtemps que le poste vient forcer faire un triple double sur un match important. Sur un match important, une grosse écurie. J'ai beaucoup aimé le match de Jordan aussi. Décisif, avec les prises de décision, offensivement, etc. Dirol qui a mis un tir très très important à la fin. Voilà. Le 0 sur un système qui était bien amené. Trouver la rentrée d'Ibrahima. Très très bon. On sent l'impact qu'il est capable d'emmener défensivement. Je trouve qu'il joue assez juste offensivement. Il a encore 2-3 situations de perte de balle parce qu'il faut qu'il apprenne aussi des sensations. Et puis voilà. Il est encore. Là, au bout de 3 minutes, il est carbo, quoi. Voilà, mais ça va être de nous en. Je suis vraiment content. C'est un peu aussi l'élément qui nous manquait, hein, dans l'impact, dans la complémentarité de l'équipe. Hein. C'est vraiment très intéressant ce qui nous amène à ce point. Il va pouvoir jouer facilement avec Tirol en plus, etc. Ça va être, non, je suis très content d'Ibrahima, de ce qu'il propose. Bah, déjà, c'est une grosse pression. Mais déjà, le fait qu'ils aient gagné ce soir, fait qu'ils ne vont pas forcément arriver le couteau entre les dents le prochain, parce que sinon, je pense qu'ils jouaient déjà un truc hyper important. Après, c'est une équipe avec des joueurs d'expérience, c'est entre Kic et Blue, déjà, voilà, Pitard. Blue, pourtant, Bachal, la balance n'est pas favorable pour. Blue joue 4, et après, Bachal en 5, après, on repose au sort, etc. Donc non, ça va être un vrai, vrai bon match, hein, je pense, un vrai, vrai bon match. Et nous, on est là pour faire un truc. Ouais, on a des matchs à domicile à rattraper. Donc plus on en prend à l'extérieur, on le sait, quoi. Mais pour l'instant, on va savourer ce qui s'est passé ce soir. Ce qu'on a vu ce soir, on marque encore beaucoup de points dans l'état d'esprit de l'équipe qu'on voulait. En ayant des choix, des bons choix, c'est pas de l'euphorie, quoi. On est quasiment à chaque match à 50% à 3 points. C'est-à-dire que les choses sont bien amenées. Voilà, et quand tu vois à la mi-temps, vous avez déjà encaissé 45 points, tu ne penses pas justement à tout ce déficit que vous avez souvent dans les matchs que vous perdez, où vous donnez trop de points à l'adversaire, déjà dans le premier acte. Ouais, mais quand tu regardes, généralement on est devant à la mi-temps. Et là, le fait d'être derrière, en retard, et
on savait que Foss, ils ont une grosse équipe. Moi, j'adore cette équipe de Foss, hein, même la façon dont ils peuvent jouer, etc. Mais que, par exemple, contre Nantes, ils étaient à plus 18. Contre Quimper, ils étaient à plus 13 à la mi-temps. Voilà, c'est des matchs qu'ils ont perdus. Ouais. Ça veut dire qu'on sait qu'à un moment donné, il y a un delta, et c'est ce que leur a dit à la mi-temps. Et surtout, quoi qu'il se passe, il faut qu'on reste. Parce que même s'ils partaient à plus 6, il fallait qu'on reste dans le compte de jeu, parce qu'il y a des trucs qui allaient se passer à un moment donné. Et au final, on a eu un bon moment positif. Et on a eu 4 ans. Et puis 30 à 13. Et puis même le début du 3 du 4 ans. C'est souvent la clé. Quand on est parti, généralement, c'est pas trop mauvais sur 6. En tout cas, là, c'était bien. Et puis, non, je suis vraiment content du match de ce soir, de ce qu'on a proposé, dans le fond, dans la suite.